Bonjour à tous, voici une nouvelle mise à jour pour la microferme permaforêchère. Donc on a fait l'acquisition d'un broyeur thermique pour remplacer le broyeur électrique qui est extrêmement énergivore et avec très peu d'autonomie, il faut à chaque fois prendre des rallonges, etc. Donc moi j'ai opté pour ce broyeur là qui est un 7 chevaux 203 cm3 de la marque Greenwood. Donc je l'ai trouvé sur Toutpour. Je l'ai acheté 599 € livré à la maison. À savoir que le même modèle à l'exactitude est vendu chez Electropower à plus de 1 100 €. Donc j'ai opté pour ce modèle-là, c'est-à-dire que j'ai voulu avoir une seule trémie pour ne pas m'embêter avec les deux trémies. Comme ça, je peux y mettre absolument tout dedans. Je voulais également un système à double courroie, comme là, avec un col de girafe. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà dû modifier l'éjection. L'éjection qui venait jusqu'ici a été fermée entièrement. Et en fait, il n'arrêtait pas de bourrer sans arrêt, il faisait que bourrer. Impossible de l'utiliser. Donc j'ai entièrement ouvert. J'ai fait sauter également les sécurités. Cette sécurité-là, ici et là. Parce que ça faisait que le disjoncter en service et il n'arrêtait pas de s'éteindre. Il suffit juste de débrancher la cosse. J'ai retiré la protection qui était là pour l'ouverture de goulotte. Parce que pareil, en fonctionnement, il n'arrêtait pas de s'arrêter. Il reste une protection qui est ici pour le niveau d'huile. Celle-ci, je l'ai laissée. Et le coup de poing pour l'arrêt d'urgence. Voilà, donc je vais broyer aujourd'hui des grosses branches, comme vous pouvez le voir là. C'est quand même assez gros. Il y a bien un diamètre de 9-10 là, ainsi qu'un gros tas de branches de merisier fraîchement coupées. Souvenez-vous, on a fait une petite greffe que je montre en vidéo un peu plus près. Allez, à tout à l'heure.
voilà un tas de, ah, je dirais un petit big bag là. J'ai fait ça hier en 1h30 de temps avec du moyen et du gros. Donc je suis monté jusqu'à 10 cm là hier en bois vert pour voir s'il le prenait ou pas. Comme vous avez pu voir il y a quelques instants sur la vidéo, donc entre 9 et 10 en bois, vous voyez qu'il y en a de reste et que le moteur ne s'étouffe absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai pas encore réussi à faire caler le moteur, si ce n'est de rentrer comme un fou furieux une branche de 15 cm. Je vois pas comment on peut le faire caler ce moteur. Donc ça donne du super copeau, du très beau broyat, avec bien sûr ces fameuses brindilles là qui ressortent et qui d'origine bouchent la fameuse trémie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc pour un petit broyeur à 599 €, je trouve qu'il fait très bien l'affaire. J'en suis content. Une fois agrandi la goulotte d'éjection et retiré ces protections électroniques qui sont défaillantes et qui ne fonctionnent pas, ça marche très très bien. Voilà. Donc pour moi c'est réglé, j'ai maintenant mon petit broyeur, ça faisait longtemps que j'en parlais. J'étais quasiment parti pour acheter un 15 chevaux, Géotech. Bon, vu le prix d'achat, ça refroidit net. Sachant que tous les commentaires clients parlent déjà de bourrage à la trémie, et que cette trémie est si petite que si on l'ouvre de suite, ça crée des soucis avec l'éjection. Donc là, je suis vraiment content. Je pensais y mettre de la branche de 7-8 cm, ce qui est le cas, et ça rentre impeccable. Ah bon, c'est vrai que tous les autres petits modèles que j'avais vus, c'était beaucoup, beaucoup de petites branches qu'il fallait y mettre. Donc voilà, impeccable. Pour moi, c'est réglé, je vous le conseille. Et je vous mets tous les liens dans la description, ainsi que les photos avec les prix constatés à ce jour, au mois d'avril 2019. Allez, Perma, je vous laisse sur ces belles images. Ciao, ciao!